pardonnez nos voix mielleuses, on était à la disco fluo hier. Non, c'est ça. Mon nom est Claude Fuchsia. Je suis président, fondateur et heureux propriétaire de Tracy TV, la numéro uno des chaînes de télévision, de radio, des producteurs de cinéma à Sorel, la première et la seule. Alors, donc, c'est un événement qui a été très médiatisé ici à Sorel. Donc, je sais qu'on a des journalistes dans la salle ce soir. Je vais prendre les questions. Oui. Oui, juste pour toi, mon petit bozo. Nous avons une chaîne destinée aux jeunes. C'est la TCS Trash Tune Super Flash TV. Qui a le public cible, c'est vous, les adolescents, expressément pour vous. Donc voilà, c'est TCS. Prochaine question. Merci. Ouais. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Ouais. Madame Nini. C'est moi, Nini. On adore vraiment le René Futile. J'ai dit Madame Nini. Mais oui. Mais ce que je voulais dire, c'est pas une mission dans les deux. Oui, mon beau monsieur et ma belle madame. On a TVVV, Télévision vraiment variée, à Sorel, qui est une chaîne qui présente des talk shows, des émissions de popotes et d'autres cossins. Bref, viens pour réfléchir. Ça, c'est pas sûr. Parfait. OK. Prochaine question. Oui, ici. Oui. Moi, je m'appelle Harry Potter. Grifondor! Prochaine question. Toilette au fond à gauche. Merci. Prochaine question. Je savais qu'il y aurait un crappé ce soir. Donc, on a inventé un concept. C'est tout nouveau. Le nom est sorti de l'ordinaire. On a décidé ça, moi et mon équipe. Moi, le nom Netwix. Netwix, c'est totalement gratuit si on oublie le 8,99 par mois. C'est gratuit. Tu loues des films, des émissions, peu importe le genre de film, drame, comédie, des films, OK? Des films. Alors voilà, c'est illimité. Puis dans votre sous-sol, dans votre salon, n'importe où. Donc voilà les services pour vous. Oui? Oui. Alors moi, excuse-moi, mais elle est où ma femme? Elle ressemble à quoi? C'est simple, elle est vraiment ça, petit truc. Elle est petite, mais elle est aux toilettes. Oh, OK, merci. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Alors, pour débuter cette soirée brisée de la glace, on commence avec une interprétation musique avec un numéro intitulé Faux fil. Elle nous vient directement de la Gaspésie. Mesdames et messieurs, Simone Fugère! Toutes les notes s'enfilent, filent les filles, et tu ne sais pas comment c'est pas. Le dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine, tu te entre mes lits.
nos verres se vident et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. Tu te la même affaire? Non, t'as pas raison. Moi, c'est utile, légal et sécuritaire faire les lignes jaunes au centre de la route, là. C'est une vraie forme d'or, ce qu'on fait, man. On devrait être plus reconnu, là. Plus reconnu. Au moins, t'étais payé, man. La richesse de mon or est dans sa beauté, pas dans sa valeur, man. Hey, t'es gossant, toi, et ton mur va valoir pas mal plus avec ça dessus. Qu'est-ce que tu fais, man? Tiens-toi! M'annoncer que mon combat contre le cancer est un succès. Je vais survivre. Ah, voyons, ça va où, c'est une ligne jaune là, c'est vraiment le fait. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Bitch. Formidable, tu t'es regardé
Tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau, mais t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'offre, tu y en as parlé. Si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Et petit, toi pardon petit. Dans la vie, elle est méchante et gentille. C'est pas vrai, chaud, c'est qu'elle a peur des mamies. C'est pas pas trop, maman. C'est parce que maman vient et vient. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un saint jour? Oui, vous êtes saint, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Du vol 29 et Lost, les productions Netflix présentent Les Perdus. Sois resté captivé par le destin de 3 petits pavés de vite crachés en avion. Oh mon Dieu! Ok tout le monde! On se calme! On se calme, j'ai dit! J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer! On s'est écrasé! Tu peux-tu nous dire quelque chose qu'on sait pas déjà? Oui! Hugo, il est mort! Hugo! Il est mort! T'as peu, c'est qui, Hugo? Ma perruque! Oh. Oh mon Dieu, je te comprends tellement! Genre, moi aussi, j'ai déjà vécu une perte comme ça, là! C'est bien beau, là, mais là, on peut-tu appeler les secours, s'il vous plaît? Ben, j'ai mon télégraphe, là! Tu sais lire le code Morse? Non, mais je suis capable de le parler, par exemple! Oh, je veux voir ça, moi! Bip! Bip, bip, bip! Bip! C'est quoi ça veut dire? Hugo, pourquoi tu m'as quitté? Ok. Je vais essayer, moi. Bip, bidou, boup, boup, bidou, bip, boup. T'es sûr que tu parles le code Morse? Ouais. C'est parce que tu viens de dire que Louis-José Houd, c'était ton plat préféré. Je sais. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle voulait dire? Vous le saurez dans la prochaine émission des Perdus. Le prochain numéro, avec une création partielle variété. Le titre du numéro, Jonglerie, ils viennent du Bas-Saint-Laurent. Accueillez Nicolas Boudreau-Pinault et Jacob Couture.
le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clé sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice. Oh, 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 quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma lampe de ma poche. Tout le monde est mon cœur qui nous approche. Je veux te faire des essais. Donne-moi le code secret. Oh, 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 quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? J'ai beau manger comme une véritable femelle du cochon,
pour ne pas dire oui. Ça a l'air qu'il n'y a rien à faire pour que le gros me colle sur le corps. C'est surtout ceux qui sont gros qui sont complexés. C'est normal, ils sont gros. Puis pour ça, on entend toutes sortes d'affaires à la TV, comme essayer notre produit, ça marche à tout coup. C'est comme les sites pour perdre du poids. C'est un peu niaiseux puis ça marche pas tout le temps. Je connais quelqu'un qui m'a dit que son père, avec son nouveau régime, il avait perdu 40 livres en 10 jours. J'ai répondu, « Mon Dieu, ils ont dû couper une jambe? » Mais bon, moi, c'est complètement l'inverse. Je pèse pas assez. L'année passée, je me pesais et j'espérais franchir le cap des 68 livres. On rit plus, hein? En boxe, il y a les poids cas, mais moi, je pense que ça serait plus un poids chiche. Ça fait un an et demi, fait que j'imagine que j'ai sûrement grandi. Quoique à ma hauteur, je pogne pas le vertige. Je m'en vais chez le médecin à un moment donné pour mon rendez-vous annuel. Puis je m'avais pesé avant de partir de la maison, puis je pétais les 70 livres. Et yes, j'étais contente. J'arrive chez le médecin, il me dit, « Embarque sur la balance, ça remonte. » J'ai dit, « Ouais, mais là, c'est parce que je suis déjà dessus. » Il me dit, ouais, m'embarque au complet. J'ai dit, ben là, je peux pas être plus dessus. Il me dit, bon, ben, dis, tu pèses maintenant 68 livres. J'ai dit, tu me niaises-tu, toi, là, là? J'ai toujours ben pas perdu 2 livres dans le char en m'en venant. Puis en kilos, c'est encore ben pire. 2,2 fois pire. Mais là, si ça continue de même, j'ai un bon plan. M'a mangé des lotions, comme ça m'en prendre du poids. Par applaudissement, y en a-tu qui aiment ça aller magasiner? Moi aussi, j'aime ça magasiner. Mon père, un peu moins. Mais c'est un méchant paquet de courbes, hein? Pas mon père, là. Magasiner. Je vous raconte ça. Personnellement, j'aime bien aller à la boutique garage. Mais comme vous pouvez le constater, je suis pas mal tout. Fait que j'arrive là avec mes parents et ma soeur avant de rentrer. Puis je trouve donc qu'il y a du beau linge parce qu'on s'entend qu'à mon âge, bon, on veut suivre la mode. Commence à chercher. J'en trouve pas mal le morceau que j'aime. J'ai-tu assez hâte d'essayer ça? Du XX mal, puis mes culottes, c'est des 00. Ça doit bien me faire. En tout cas, j'espère. Je rentre dans la cabine. Premier morceau, un chandail. Vous auriez dû me voir, j'aurais été tout nu puis ça aurait fait pareil. J'avais le collet qui me descendait quasiment jusqu'au genou. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Quelle sorte de pas grandeur que ça va me prendre? Parce que moi, le linge qui me fait bien, c'est à peu près rien qu'à l'aubainerie. Mais eux autres, ils ont le kit de faire la même collection pour les 4 à 16 ans. Fait que tu me vois-tu dans une place publique, j'ai 13 ans, puis la petite de 4 ans à côté de moi, ben elle a le même linge. C'est gênant fois 1000. Ou quand une petite de 6 ans porte le linge que moi je serais censée porter, puis que moi ça me fait pas passer trop grand, quand je le mets, ça poche en arrière, puis la petite qui émet, elle, ça lui pète sur le corps. Félicitations. Chez nous, j'ai un paquet de bobettes 8 ans depuis la 5e année. La première fois que je les ai mis, là, on aurait dit un droit contour. Tu sais, quand il faut que tu le rentres en dessous de ton lit, pas qu'il paraisse. Bon, mais ça se ressemblait pas mal, je trouve. Puis vous me créerez peut-être pas, hein? Mais ils me font même pas encore. D'après moi, ça va aller juste à mon bal le finissant du cégep. Ça va être beau, mais que j'avais le temps et que j'ai réessayé. À la place d'être écrit « La vie en rose », ça va être écrit « Sourire mini ».
la chaîne TBBB, votre quiz favori. Bonsoir et bienvenue à Qui veut gagner de l'argent en tournant. Ce soir, mon invité, Marcel. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Parlez-nous un peu de vous, Marcel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je Merci, suis... Marcel, c'est tout le temps que nous avions. Vous connaissez le concept du jeu? Première question. Pour 100$. Pas la ferme. Dans sa ferme, il y a 3 chevaux, 2 vaches et une brebis. Si sa copine Martine, qui a les cheveux bruns, lui achète une autruche, combien d'omelettes pourra-t-il se faire dimanche matin? A. 64. Petit B, 8 à la 2. C, pas n'est pas les omelettes. Ou D, la réponse D. C'est que j'ai beaucoup entre le B et le C. Je vais y aller avec le C, pas n'aime pas. En es-tu certain, Marcel? Certain. Paul Anthem dans sa famille à 3 vaches! Votre réponse! OK, Marcel! Prochaine question, Marcel. On est déjà à 100$. Prochaine question, 200$. C'est quasiment le double. Ça en fait des bidoux, ça. Bonne année, voiture! Dans sa voiture, il y a Proaminé, 2 garçons, un porte-gobelet et un politicien dans le coffre. Quelle est la marque de cette voiture et son année de fabrication? A. Une Dodge Grand Caravan 2011. B. Une Chevrolet Cruze à 250 000$ par mois avec escompte détaillé chez votre concessionnaire. C'est pas, n'aime pas les voitures ou des... La réponse est... Je crois que... Bon, tout de suite, Marcel! Après la pause. Le prochain numéro est une interprétation de Je ne suis qu'une chanson d'Abitibi Témiscamingue. Veuillez accueillir Bénédicte de Rouleau! Je plains.
raison. Ce soir, je n'ai rien voulu vous cacher. Pas un secret, j'ai su garder. Comme si ça ne se voyait pas. Que j'avais besoin de parler de moi. Ce soir, je ne me suis pas retenue. Je me suis montrée presque nue sur une scène trop éclairée. J'aurais du mal à me sauver de moi. Passez une belle soirée sur la toiture! Ouais, let's go! Du monde pas pire, hein? Je suis content que vous êtes déplacés pour le open mic de ce soir, hein? Et sans plus attendre, je vous laisse écouter une petite sorelle et une petite racine, là. Jean du quartier, c'est à votre tour de ramasser vos mots de papier, je suis capable! Il y a des poubelles à chaque fois que ça y va, parce qu'il n'y en a pas de bonne raison, ok? Il n'y en a plus! C'est bon? Je vous wash. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord avec les affaires sur lesquelles on devrait être en désaccord, puis tout le monde est en désaccord quand on devrait être en accord. Mais ça nous ramène au même problème du départ, ça nous met tous en désaccord. Êtes-vous d'accord? Ben d'accord. Salut ma belle sorelle Tracy. J'ai des jokes pour vous. C'est quoi l'animal le plus généreux au monde? Non. Le poulain? Parce que s'il y en a poulain, il y en a poulot! Okay. Une autre, ok, une autre. C'est quoi le seul drink que tu peux pas boire si t'es allergique aux arachides? Le pina colada!
Oh, hey, arrêtez ces têtes-là, là. C'est même pas ma joke. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est la joke Arachide Badouri. OK, OK, hein? Attendez bien de voir le prochain. Nous présenterons le numéro exact à Sylviane de la capitale nationale. Les plus beaux jumeaux en ville, Hubert et Jérôme Chiasson.
maintenant, faites place au Perdu, épisode 2. Ouais, il commence à faire froid, là. C'est un peu normal, commence à faire froid, le soleil commence à se coucher, tu sais. Non, 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 c'est pas le soleil. Ça, c'est à cause de la présence des esprits. Hey, tu sais donc pas c'est quoi du vent? Oui, je sais c'est quoi du vent, c'est ce que t'as dans la tête. Hey, j'ai des allumettes, OK? Yes! Y a pas de mode d'emploi sur le paquet. Dans le fond, faut que tu frottes la tête sur le côté de la boîte. Non, non, non! La tête de l'allumette! Non, 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 non! La tête de l'allumette sur le côté de la boîte! Je savais! Mais ouais, ça marche pas! Ben là, c'est un peu normal, comme on l'a dit tantôt, là, il y avait trop de vent. Ouais, ben. Voilà. J'aimerais ça voir pareil ce qui est écrit sur le paquet d'allumettes pour savoir, là. En cas de possession d'esprit par un esprit péluche. Est-ce que c'est vraiment ce qui était marqué sur le paquet d'allumettes? C'est ce que vous aurez lors du prochain épisode des Perdus! Maintenant, avec un numéro intitulé Terminus dans la catégorie Création totale, musique, il vient de la Gaspésie. Mesdames et messieurs, Catherine Bernier, Mathis Caro et Justine Fournier! Oui! Oh.
je me suis crue forte comme le vent. Il y a eu une erreur, c'était Charlène Beaubien et Lily-Pierre Rieux du Centre du Québec avec la laideur de Sophia Dolin. Charlène Beaubien et Lily-Pierre Rieux du Centre du Québec, la laideur. Après La Voix et La Voix Junior, accueillez le nouveau concept télévisuel qui fera soigner les petits vieux et petites vieilles, La Voix Senior. Fini Michel Louvain et Ginette Renault, faites place au vrai wannabe Jean-Pierre Ferland. Vous connaissez tous Jérôme Couture? À ma femme, Josiane. Oh, vous donnerez tout de moi pour un peu de Viagra. La femme veut plus de moi au lit, je lâche sur le sofa. Maintenant, je donnerai tout de moi pour faire l'amour une autre fois. Ma vie est plate, je veux rajouter un peu de piquant. Ma femme m'a laissé pour rien. Oh, yeah! Voilà. Mon dentier, je sais plus, il est où? Ça fait une coupe que je cherche partout. Ça fait deux mois que je suis obligé de manger du mou. Mon dentier, je sais plus, il est où? Où c'est qu'est mon dentier? Je sais pas. Où c'est qu'est mon dentier? Je sais pas. Dis-moi, chat, qui l'a mangé? Je pense pas. Mon dentier, je sais plus, il est où? Et non, ils ne font pas deux numéros de suite, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Une création totale intitulée Terminus. De Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, veuillez accueillir Catherine Bernier, Mathis Caron et Justine Fournier. Par deux, même au bout de l'île.
relie que sous la dent. Tu tends le bras sifflant le sang du vin. Dis-moi que l'horloge tournera longtemps. Dis-moi que le prochain numéro sera une interprétation musique avec un numéro intitulé « Ce soir, l'amour est dans tes yeux » de la capitale nationale. Est-ce qu'il y a des gens de la capitale nationale? Faites du bruit, capitale nationale, pour Gabriel Lefrançois Paré! Demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est
Le prochain numéro est présenté par Pringles. Pringles, si ta main est trop grosse, tu ne seras jamais le fond du bol. Avec une interprétation musique, un numéro intitulé « Faire semblant », ils viennent de Chaudière-Appalaches. Pour débuter sa deuxième partie, accueillez Victor et Jasmine Chaussé-Saint-Ours. Je fais
l'homme invisible comme avant. Je ne veux plus faire semblant et je montrerai. We lost them. Ils sont relous, quoi. Oh. Préparez-vous bien, car cet été, dans vos salles de cinéma, le film God Bless France prendra vie avec Jack Strap. Hell yeah! Colin Cantalou. Les baguettes sont cuites, c'est le cas de le dire. Préparez-vous pour des scènes d'action. Ah! Jack Strap, tu m'as trahi, putain. Oh, des scènes de suspense. Qui va payer? Oh, close call! Ainsi que des scènes d'origine! Whoa, no, avec I didn't sign... Avec des parties de jambes en l'air! No way, who said that? Préparez-vous pour une mort tragique de Colin Cantalou! Mais non, pourquoi je meurs, moi? C'est qui le connard de narrateur, là? Yeah, true that. Let's get him! Ah, yeah! Et le temps s'arrête! Il y aura aussi des chatouilles. Le film sera super, mais pas aussi bon que... Ceci... Ce sera un hommage à Edith Piaf, une interprétation musicale. Elle vient du Bas-Saint-Laurent. Faites du bruit pour Maud Ariane Tardy. Cœur ma joie, aujourd'hui.
Que tu sois loin de moi, peu m'importe. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité. Toutes les mains par la cocarde du pan québécois. La cocarde du pan québécois. Galasse-toi! Ok, ok. Le prochain numéro est une création totale de variété. Elle provient de Laval. Accueillez chaleureusement Héloïse Prudhomme pour mon expérience dans le bus. Alors, bonsoir tout le monde, ça va? Oui! Wouhou! Alors, je me présente, Héloïse Prudhomme. Hello pour les intimes, mais on se connaît pas, fait que tu m'appelles pas demain? Moi, je suis quelqu'un que, quand la nuit est tombée, puis genre, on voit rien, j'ai vraiment commencé à paranoïer puis à avoir le mal partout. Fait que là, l'autre soir, je prenais pour la première fois le bus, tout seul, dans le noir, puis ça s'est pas très bien passé. Mais ça avait bien commencé, pourtant. Je suis arrivée genre, yes, je m'en vais prendre le bus. Je troute. Là, j'arrive, pip, pogne une place assise. Puis je commence un peu à observer mon environnement, puis je remarque qu'à côté de moi, là, il y a deux vieille madame, OK? Deux ma tante. Eux, ils étaient là à la Deuxième Guerre mondiale, puis ils s'en souviennent, OK? Puis là, ils commencent à parler. Oh, Bélou, je n'ai plus sais pourquoi. Non, je sais pourquoi. L'autre soir, j'allais voir le docteur N. Nguyen, puis il m'a dit que ma verrue plantaire était guérie. Oh, que j'étais donc contente! Mais là, j'ai un ongle écarné qui me commence, là. Veux-tu voir? Veux-tu voir? Non, non. Pas de nudité ici. Puis, à un moment donné, il y a un gars vraiment bizarre qui est dans l'autobus. Genre, j'avais peur, OK? Croyez-moi. Dès qu'il a posé son premier pied dans l'autobus. Drogué ou psychopathe, là. Mais c'est juste que là, il s'assoit à côté de moi. Puis,
à un moment donné, je me dis « Hey, hello! Faudrait que tu regardes où est-ce que t'es rendu pour savoir quand tu sors de cet enfer! » Fait que là... Mais là, le panneau marchait pas, l'autobus était tout sale, comme le gars à côté de moi. Puis, je me suis dit, je vais me lever pour observer s'il y aurait une craque de propreté. Fait que là, je me lève et là, wow, l'autobus s'arrête! Wow, il avance! OK, c'est bon, là, je me tiens. Oh, désolé, monsieur. C'est une petite craque, mais bon. Ah, ding, 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 ding! Ah, manque l'arrêt! Mais là, si je descends là, les gens vont prendre genre, ah ah, elle a manqué son autobus, loser! Mais si je descends à l'autre arrêt, comme, bien plus tard, puis que je fais, ah ouais, j'habite plus loin, mais je vais perdre du temps, de l'argent, puis, ah, manque l'autre arrêt! Ding, 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 ding! Je sors de l'autobus, je commence à courir, je tourne à droite, tourne à gauche. Non, mais imagine, là, le gars, il est sorti, puis là, il m'a suivi, là. Puis là, c'est, il va m'attraper. Blablabla. Du coup, on encore plus vite. Tourne à droite, tourne à gauche. Ah, oh. Oh, oui, la mais... Non, je ne connais pas cette maison rouge. Tourne à droite, tourne à gauche. Ah, oh, yes. Yes, mon arrêt. Je suis dans une crotte de chien. Tourne à droite, tourne à gauche. Yes, ma maison. Monte les escaliers. Là, j'ouvre la porte. Je ferme la porte. Bon, la porte. Là, j'arrive, je mets fouet sur le sofa, puis je mange des chips. Ah, puis là, il y a ma mère qui arrive. Allô? Avez-vous fait vos devoirs? Oh, Ilo, encore effoiré sur le sofa à manger des chips. Tu devrais sortir un peu, là, vivre des aventures. Merci tout le monde. Le prochain numéro vous est présenté par Fido. Fido? Wouf! C'est une interprétation musicale de la chanson Je vole. Elle vient de Montréal. Faites du bruit pour Kayla Marie Hyacin! Et promet, c'est l'envie d'avancer.
comment croire en ma vie? Tout ce que je me suis promis. Pourquoi, oui, comment? Dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque ma poitrine. Je vole, comprenez bien, je vole, sans fumer, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. Avec les perdus. Ah là, là, ça fait déjà deux grosses minutes que Aurélie et Mathieu sont partis, là. J'espère que leur est rien à trouver. Peut-être qu'on sera pas attaqué par des perruches. Ah non, c'est pas vrai. Bon, Sally, on a une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? La bonne nouvelle, on est sauvés. La mauvaise nouvelle, ben on est vraiment en cave. Comment ça, on est sauvés? Pis je suis pas dans le cave, hein? C'est toi le sous-sol. Ben l'affaire, c'est que l'avion n'a jamais vraiment décollé, hein? quoi? Ouais. Fait qu'en résumé, ben, on est pogné dans le bois, en arrière de l'aéroport, depuis 3 jours. T'as-tu des preuves de tout ça? Si on te l'a dit qu'on en revient de là. Non, pas assez de bonnes preuves. Oh, t'as peur. Chez, on pogne les réseaux du McDonald's par là-bas. OK. Bon, donc moi, je commence à avoir faim, fait que vous viendrez avec moi, là, OK? Woman up, là, moi, s'ils servent la perruche là-bas, je sais pas, pis je comprends pas comment vous faites pour pouvoir célébrer tandis que moi, je suis en deuil. Je te paye un accoulé. Oh, là, j'arrive. Est-ce qu'il lui a vraiment payé un mac poulet? Vous le saurez dans le prochain épisode. C'est la fin, il est perdu! Le prochain numéro... Interprétation musicale avec un numéro intitulé La maladie d'amour, accueillez des Laurentides, Megan Andrews. Elle court, la maladie d'amour. Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes. Elle fait crier tant nombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur. 7 à 77 ans, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière
sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Je veux vous entendre. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Oh, 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 oh. Du canal TVV, votre émission de cuisine préférée. Bon appétit. Bon appétit à la maison. Bon appétit, ma grande. Bon appétit, maman. Ah, oh, c'est fun, tes cheveux, c'est fluffy comme une mop. Oui, et c'est très pratique pour nettoyer ces hauts d'armoire, Marie. On est comme ça, nous autres, à Bon Appétit. On n'est pas capable de s'empêcher de nous raconter nos affaires plates. Hein, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on concocte des petites saucisses hot dog dans la fosse du VH. Non, oh, ça, c'est assez bon quand on était petit. Oh. Elle aimait assez ça, la petite baïenne. Elle venait tout le temps m'appliquer une coupe sur le bord du comptoir à chaque fois que j'avais le dos tourné pour prendre les coquillisettes. Ben oui, c'est dans le temps que papa te trompait. Ah, c'est les hommes, c'est comme ça, Marie. Il faut toujours qu'il y ait voir la cuisine d'une autre pour voir si ça goûte meilleur. Mais heureusement, ton spaghetti en France de fromage, je l'ai ramené au foyer. Ah, j'ai joué qui tout double. C'était ça ou mes croque-monsieur au ballonné? Ah ouais, ma petite pâte au raisin, donne les ingrédients de la recette de petite faisait hot dog dans la sauce VH. Oui. Alors, prenez note, mesdames, parce qu'il y a plein des affaires. Alors, premièrement, des petites saucisses à hot dog et de la sauce VH. Veux-tu que je coupe les petites saucisses, maman? Brûle pas les étapes, ma grande. Dévisse le pot de sauce VH à la place. C'est jamais comme qu'on dit. Ah, oh, ça, les mesdames, il y a un truc quand c'est jamais comme qu'on dit. On donne des petits coups sous la pente comme ça. Puis ça, les petits morceaux de vite, là. Vraiment, il y a plein de vitamines là-dedans. Alors, on prend la sauce. Ah oui, Marie, coupez ça. Oui. On verse le mélange dans le plat qu'on met au micro-ondes jusqu'à ce que ça fasse des ballons. Ah, oh, ça, la sauce, c'est truc, là. C'est assez bon. Et c'est parfait pour les végétariens. Il n'y a pas de viande là. Alors, on prend la pousse. On prend notre sauce qui a bien bouillonné et on garnote les petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Et ça donne comme par magie des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Maman, c'est déjà fini. Oh non. Alors, mesdames, préparez-vous. Car demain, je fais des biscuits pisse de riz dans lesquels j'ajoute du canard. Des Smarties. La semaine prochaine, on fait bouillir de l'eau au micro-ondes. Et vendredi, à la demande générale, je refais mon spaghetti au fromage en tranche pour ramener mon mari pour la fin de semaine. Bon appétit! Bon appétit! De Sava, ils viennent du Bas-Saint-Laurent. Veuillez accueillir Derek Jones, Antoine Lévesque et Emma Franqueur! Marchons sur ce boulevard de la vie en destination vers la mort. Nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit, aïe mon fils, veux-tu que je te fasse un lit? J'ai dit non,
ça va. Je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va. Je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, plus tard que je n'ai plus de peine et que je ne suis très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, plus tard que je n'ai plus de peine et que je ne suis et que je ne suis très loin. Nous marchons sur ce boulevard dans la nuit, et puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit: oh tu mon gars, j'ai tellement attendu souvent dans ma vie. Ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme. J'ai perdu tous mes amis aussi. Je n'ai plus aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley, puis accroche-toi et on va triper. Là j'ai dit ben beau tout seul, moteur, mais t'as dit des noirs que chose genre. Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je peins vite sur mon bicycle, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, rouler notre gorge dans le bonheur. On va rouler sans s'arrêter, et moi de lui répondre très embêté: non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, plus tard que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, plus tard que je n'ai plus de peine et que je les revois, et que je les revois bientôt. Même ici, parfois, il m'arrive de regarder la route, puis me dire que ça me tend plus pantoute, parce que la vie, sans toi, sans ligne pourrait être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre de raccourci. Non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, plus tard que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, plus tard que je n'ai plus de peine et que je les revois, et que je les revois bientôt. Dans l'heure de la pause slam sur TLCS. Ok. Gros Poudlard en juillet fait chaud, sa sauce pis sa crème. McDo Junior au poulet, c'est ça que j'aime. Timbit, roussette, une étagère de bain. Bronzette, gauzette, signe que l'estrogène règne. Ça se crame dans le sud, l'Instagram se dénude. Consommation, surconsommation, quand c'est Noël chez Gertrude. Tu décides de pas offrir cette année, tu passes pour rude, fou, ben sans le sou. Mais moi, mes cadeaux, je les emballe pas et je les dépose sous vos joues. Je parle de ces rires, sous le sourire, oh, moi je les ferai frire, je les mangerai comme des frites. Je les ferai mûrir pour guérir les maladies qui vous habitent. Parce qu'une bonne croustade au joke, y'a rien de mieux contre la frite. J'espère que je serai amené à penser ou bien aider à penser vos petits bobos. Mais là, c'est l'heure que je parte, cause le show Moscou. Le prochain numéro, une création totale intitulée Petite Merveille. Veuillez accueillir de Laval, Marie-Jeanne Paquet!
Écoutez-moi bien, car c'est la danse de toutes les femmes qui travaillent pour rien, et celles qui boivent du noir du soir au matin. Yeah. Elles se lèvent dame da la dame, 5 ans moins quart, et c'est car elles n'ont pas le temps de manger rien, et malgré la pénombre, elles passent le pas et marchent vers son destin. La dame dada, poussée par son envie de vivre, par son envie de fuir, qui l'ennuie. Mais sans elle, ses enfants n'iront plus jamais bien. Et Dieu sait que ça fait une différence lorsqu'une jeune femme n'en voit plus la fin et qu'elle travaille jusqu'à la démence. Mais elle est forte et elle supporte tout très bien, et elle refuse les nouveaux d'ailleurs qui viennent de moins en moins. Et quand elle revient le soir, les enfants de moins en moins, et sauver la pauvre ogre, sans ça c'est la fin. Et de retour à TVVV pour votre émission quiz favorite. De retour, qui veut gagner de l'argent en tournant? Avec Marcel. Ça va toujours bien, Marcel? Bonjour. On n'a pas le temps! Je répète la question, Marcel. Pour 200 dollars. Pas la voiture! Cette voiture, il y a 3 mémés, 2 enfants, un porte-gobelet et un politicien dans le coffre. Quelle est la marque de cette voiture et l'année de fabrication? A. Une Dodge Grand Caravan 2011. Une Chevrolet Cruze 2011 à 199 mètres avec des supernationales. C. Prenez pas les voitures ou D. Une Toyota Camry. Je crois qu'il est allé avec le C. Certains, Marcel. Pas la voiture de la
cœur. Appelez-moi Gaétan. Maintenant, 200 $, Marcel. Ça en fait des billets. Un petit mot pour la famille? Oui. Merci. C'est ce qui conclut cette édition de Qui veut gagner de l'argent en tout. Restez des nôtres car la semaine prochaine, peut-être serez-vous le gagnant fou de cash. Public, vous êtes toujours là! Parfait, car le dernier numéro pour bien clore cette soirée. Désolé, j'ai mal à la gorge. Veuillez accueillir une interprétation de cabaret venant de Montréal, Roman Frédéric Gay! Assis sur ton lit, l'orchestre est au complet. La vie est un grand cabaret, viens donc au cabaret. Oublie ton boulot, oublie tes soucis, les musiciens sont prêts. La vie est un grand cabaret, viens donc au cabaret. Viens boire du vin, viens voir l'ambiance, viens faire le beau, viens faire la fête. Par ici la table est prête, chansons, c'est trop bête. Porteurs de malheur, de larmes et de regrets. La vie est un grand cabaret, viens donc au cabaret. J'avais une vieille amie qui s'appelait Elsie. On partageait un prêt audit à Chelsea. Elle n'était pas de toute première jeunesse, mais avec ses clients, elle faisait des prouesses. Sa mort a fait jaser toutes ses voisines, pour sûr bien trop d'alcool et de cocaïne. Mais sur son lit de mort, c'était une reine, le plus heureux des cadavres dont je me souvienne. Depuis, je pense à elle si bien souvent. Je la vois qui répétait en souriant. Pourquoi rester seule, assise sur son lit? L'orchestre est au complet. La vie est un grand cabaret, viens donc au cabaret. Et j'ai compris, oui j'ai compris, s'il faut partir un jour, je choisis sans regret de partir comme elle. Si tu creux, y'a donc
Jeanne, est-ce que c'est fini? Alors, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié Dracy TV. Vous avez aimé? Alors, merci à tous ceux qui ont rendu ce spectacle possible. Tous les techniciens derrière, un immense travail. Et tous les bénévoles qui ont travaillé avec nous, pour nous. Et à tous nos artistes que j'inviterai sur scène. Mais viens nous en. Mais aussi des animateurs. Donc, de la Côte-Nord, on a Mathieu, Rosalie et Aurélie. De la Capitale-Nationale, on a Antoine, Élie et Olivier. Et applaudissez de Laval, Alex et Rémi. Une grosse main d'applaudissements et bonne fin de soirée à tous. Merci tout le monde.